Mesdames et messieurs, pour l'autre fois, nous sommes bienvenus. Pas oublier de vous faire connecter sur le canal ça ou sur TV La Caille. C'est un plaisir pour nous avec vous pour nous porter donc vidéo de formation ça pour vous pour nous faire connaître qui ça qu'a passé donc dans le département sud dans Nipa à Grandance à divers lots encore depuis après tremblement de terre plus tempête grâce qui les même fait en pile ravage dans le département ça. Et bien, je dis à la, il y a un camion qui lui-même t'a porté aide dans le département sud et population. Envahi, mesdames et messieurs, eh bien, yo déchets pillés et prend tout bagaille donc dans le camion ça. Et nous allons inviter à suivre grâce avec voix créole qui permet de nous jouer une image audio pour nous porter pour vous. Donc nous allons inviter à suivre. Et puis, il y a un PM Ariel Henry tout qui lui-même fait gros déclaration et M. Biden et bilan sur quantité de monde qui mourit dans le tremblement de terre. Et puis, il y a un pays, c'est le même qui lui-même voit être dans le pays Haïti. Donc nous allons inviter à voir. Donc, c'est pour ça que je demande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce pas une vidéo qui est tellement longue, mais il y a un peu d'informations où vous devez retenir jusqu'à ce que l'on finit. Pour ceux qui peuvent abonner avec le canal, je demande de faire ça rapidement de façon pour qu'on toujours été informé. Oui, pour l'aéroporté, net en général, de votre pour nous. La caille, la caille. Peste yo, brale. Nous, gochep là. Nous, pas quitter au rive. Nous, et mais je dis à la nous-mêmes, bah, y'a pas ces descentes, rentrer dans cette ville. Ah bon, organisation, nous pouvons connaître. Bon, ça veut dire à nous-mêmes, bah, y'a pas qui doit passer sous nous parce que nous-mêmes, nous dominons la pluie. Chaque jour, c'est dominer la pluie. Parce que nous devons mouiller. Nous dominons la pluie, nous mouiller. Mais nous-mêmes, nous faisons une dévotion. Est-ce qu'il y a des choukailles? Y'a pas nous comme moun en dehors, y'a même y'a considéré d'être comme cette ville. Nous, même pas pour parler à force, nous, mais c'est ton jeu. Bon, m'ba konnen nou dèlè manje la bay, m'ba konnen pèp la lan gangou, m'ba konnen gangou nan bouda yo, n'ap mal dormi, m'ba konnen. Sa ki pase la? M'ba konnen nou, m'ba konnen gèk la yon. A e pwa, m'ba e di min. M'ba konnen pwa ou man yon, m'ba kale. M'ba konnen ma... Il peut le même.
Nous sommes sur la route là, nous croisons ensemble avec le camion, nous disons quelle direction tu as pris et qui s'est passé là. Bon, son camion qui sortit pour au Prince, que l'organisation Parole et Action et mission Baptiste a voyé Pestel, c'est dans l'objectif de l'aide mounio après passage, gros tremblement de terre. Mais malheureusement, nous pas qu'à arriver côté de Bralea, depuis dans route, nous avons là, qu'à constater, et ont débarqué le camion. Naturellement, nous faisons plus l'effort pour arriver là. Depuis le commencement du chemin, il y a une agressivité, donc nous-mêmes, nous avons évité l'agressivité. Donc comment on comprend ça qui passe là? Bon, comment on comprend? Ce sont un groupe de monde qui besoin de tout. Yo web a passé devant yo, qui prend l'autre côté. Donc yo profité, puis bon, malheureusement, pas de route, nous pas qu'à faire pressing, nous pas joué de concours la police pour accompagner nous. Donc voilà comment ça s'est passé. Mais là, nous considérons mon Pestel qui est vraiment victime de tremblement de terre, ça veut bon, dire que vous souhaitez retourner. Bon, nous pas dit nous pas penser à retourner pas. Là nous dans Wab Jérémy côté nous capable remarquer premier convoi humanitaire maritime à arriver sur Wab Jérémy côté nous capable remarquer c'est des bateaux dominicains qui arrivaient là, trois bateaux dominicains qui accostaient sur Wab Jérémy à côté au côté aide humanitaire pour population Grand Cézna qui est victime d'un tremblement de terre 14 août 2021. Il connaît plusieurs zones, section communale avec communio, qui ont vraiment touché par tremblement de terre. Ça. Et qu'on y a là, nous capables de remarquer qu'il y a des autorités qui déjà présentes pour capables de recevoir convoi ça, magistrat Villan, gagné secrétaire général, gagné. Semana, douane, à diverses autres autorités APN présentes pour capable recevoir convoi ça yo et une diligence qui a fait pour capable vérifier qui ça exactement bâtiment ça a porté pour département Grand Est. Et faut que nous signaler tout, Wab Jérémyan, nous capable remarquer des endommagé dans passage pour Agan Mathieu sous département et jusqu'à maintenant pour qu'on ait un lien qui fait pour réhabiliter Wafla et nous pensons ces moments à tout pour autorité penser à réhabiliter Wafla surtout dans le moment qu'il y a recevoir gros bateau qui porter aide humanitaire pour la population de César. Nous avons été informé toute la population qui a suivi nous pour être capable de connaître exactement et nous avons une possibilité pour nous parler avec l'autorité pour nous connaître exactement qui ça va le faire avec aide humanitaire ça yo, et qui destination yo, qui zone qui va plus toucher. Bilan partiel, hier soir, par le Centre d'opération d'urgence nationale, fait état de 2189 morts confirmés, dont un consultant de l'organisme OPS-OMS, 332 disparus, 12 268 blessés. Plus de 136 800 familles sont sinistrées et près de 700 000 personnes ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. Sur le plan physique, nous comptons à ce jour 30 122 maisons de différentes tailles complètement détruites et 42 737 endommagées. Des bâtiments publics, des églises, des écoles qui servaient habituellement d'abri provisoire en cas de saison cyclonique ont été sévèrement touchées. C'est pourquoi mon gouvernement a décidé la coordination des réponses aux urgences d'aujourd'hui à une institution unique, la Direction de la Protection Civile. Et nous avons demandé à tous les donateurs, les États, organisations internationales, non gouvernementales et gouvernementales, associations et individus qui désirent apporter une aide quelconque, de passer par la Direction de la Protection Civile
qui indiquera les besoins de chaque commune, de chaque village et de chaque zone reculée non encore desservie.